Salut à tous, c'est le Flash Num, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Châlons en Champagne. Aujourd'hui au programme, une plongée dans le Japon féodal, la révolte des vignerons qui gronde et la question que tout le monde se pose. Allez, c'est parti! Pour ce BBC, je vais vous inviter aujourd'hui à voir Sword of the Stranger, donc amateur d'animation japonaise, découvrez vraiment cette œuvre de Masahiro Ando qui parle d'un petit garçon dans le Japon féodal qui est poursuivi par un groupe de guerriers chinois et qui sur sa route va rencontrer un samouraï errant à qui il va demander de le protéger, de l'accompagner. Et donc c'est une belle histoire entre ces deux personnages qui va se dérouler. La première chose à dire avant tout, c'est vraiment que c'est très beau, c'est très bien animé, c'est très fluide et c'est pas étonnant d'ailleurs parce que Masahiro Ando a notamment travaillé comme animateur sur l'animé Ghost in the Shell et on retrouve vraiment cette patte dans l'animation, c'est très appliqué dans les combats, très fluide et très agréable à regarder. Et en plus de ça, donc on a des personnages qui sont très attachants, les deux personnages principaux notamment, et leur adversaire qui est quand même plutôt charismatique et sympa à regarder. Donc je vous recommande Sword of the Stranger, un animé devant lequel on s'ennuie pas et c'est disponible à Gulliver.